Je ne comprends pas ce que vous me dites, monsieur. Non, puis en plus, vous faites des fautes de grammaire, je ne comprends pas. J'ai jamais compris ces paroles. Je débarque comme ça à la Fashion Week, tout le monde. À la quoi? À la Fashion Week, pour moi. Je vais à la Fashion Week, moi. Je suis pas un mec des têtes. Mais arrête, tais-toi. Mais avoue, j'ai trop de style. Ce chat, il me saoule. Il ne fait que miauler. Bon, j'ai acheté des chaussures, je vais les recevoir, on va voir ça. Bien scotché. Arrête, tu vas te prendre un coup de ciseau, toi. Here they are. Ah, j'adore! Ok, parce que j'avais vu qu'il y avait des fermetures éclair, mais en fait, je viens de tilter que c'est pour foutre les lacets dedans. C'est hyper malin. C'est une marque que j'adore. C'est la marque 80s. Et j'ai déjà une paire de chaussures de... Je vais voir ma copine. Et on a mis de l'argent dans un endroit peu commun pour rejoindre quelqu'un. Donc je vous montre ça dans 2 secondes. C'est genre vraiment le pire endroit de Paris. Genre vraiment c'est mon angoisse la plus totale. Voilà l'endroit. Le Trocadéro. Horrible. Chine. Oui. Ok, là on doit partir avec Annabelle, mais il pleut des trompes d'eau. Non, c'est pas grave, c'est la tempête. On marche vite. Allez hop, on traverse. Oui, y a pas de passage piéton, et alors. Hop, à droite. C'est là. Là on court là, non? Bah on marche vite. Ouais, tu vas trahir. On va s'abriter à un endroit là. C'est ta porte d'entrée? Mais non. Si, je te jure. T'habites au rez-de-chaussée? Oui, j'habite au rez-de-chaussée. Ah oh, mais c'est incroyable. Oh waouh! Mais c'est trop mimi! C'est mignon! Je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai tout ce qu'il me faut. Allez, tu pars en vélib, c'est ça? Je pars en dot. Allez, allez. Parce que mon lavabo il est bouché. Vive dans mon appart, pas. Bah pourquoi tu veux? Bah pardon. Bienvenidos al bouillon de Chartier. Bonjour, j'ai fait la fête là hier soir, donc je suis fatigué. Et là je suis en train de regarder un documentaire sur le parc Astérix. Ce soir c'est la soirée d'Halloween. Donc, je vais aller à Saint-Germain-en-Laye. Mais avant on va aller voir notre queen de rêve. Hector, il me saoule ce documentaire, il est mieux celui sur Disney.
Ils sont très bons, Colas. On est vraiment dans un Paris cliché, j'adore. J'adore Paris. Style, c'est un taxi. Oh my god. Non mais là, vous rendez pas compte, mais ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop une semaine. Quoi ? C'est beaucoup trop une semaine sans toi à Paris, je peux pas. C'est vrai? C'était H. Ça va, c'est quoi les news? Oh my god, so many things! Rien, je fais que travailler. Là, on fait la queue, une énorme queue pour aller acheter une wig. Quels sont les signes qui montrent qu'un chien est stressé? Plusieurs réponses sont possibles. Il baille, il lèche son. On a tous acheté une petite wig. Moi, je vous montre pas tout de suite la couleur, mais on a tous pris une couleur différente. J'ai pris des petits accessoires également. On va faire tout ça dans le RER pour aller à Maison Lafitte, puisque notre soirée est à Maison Lafitte. Voilà. On a trop hâte, on est excités comme des petites puces. C'est un peu chiant. Ouais, j'ai envie de pisser sa mère. Bon, allez, on y va. En fait, j'ai trop le seum, j'ai acheté des fossiles, mais il y en a qu'un seul qui tient. Au pire, je les garde à la tête de la colle. J'adore, on dirait Miranda Priestly. J'arrête pas de m'engueuler avec mon mari, c'est dingue quand même, vous aussi, non? Yes, we bet, Lana. La soirée commence à 21h. Du coup, on vient d'arriver à la Maison Lafitte. Hein. La soirée commence à 21h, on vient de la prendre. Donc là, on a une heure et demie à tuer dans cette magnifique ville de province. On va bouffer un grec avec nos perruques de pétasse. Franchement, on va grave bouffer un grec. Mais j'ai pas envie de manger un grec. Mais non, on va à la pharmacie. Ah, il y a un fleuriste. Super, tu vas acheter des fleurs. De 2 litres. Hein. Acheter des chrysanthèmes parce que j'ai pas tardé à claquer. Putain, j'ai ça me gars. Non, tu peux faire aussi avec un. Tu sais, dites-moi. Ah, ah. Y'a pas un right-left là? Comment on sait lequel est le droit, lequel est le gauche? Mais y'a pas de right-gauche pour les lentilles. Bah ça dépend. Non, y'a pas de right-gauche. Donc moi je suis vraiment au boulot, je l'ai mis à l'envers là. À l'envers? Ouais. Attends, je zoome. Pour mes abonnés qui ont peur des yeux. Oh, c'est... Ah, ça te fait un strabisme! Ah, t'es trop fort! Elle va se barrer, elle va se barrer. Non, je la sens qu'il gigue. Un peu doux entre le. Ça fait mal ou pas? Pas du tout. Ah non. Tu veux pas? Regarde-nous! Salut! Mais attends, on pas les voit pas. On voit. Est-ce que quand je louche, ça se voit? Non, mais arrête de loucher. Ah. Ah voilà. C'est discret, mais ça fait pas mal. Karine a pris un acide! Karine a pris un acide! C'est une bonne idée. Non, c'est pas ça. Putain, t'es mal à la gueule du reptile. Sacré lézard. C'est trop stylé. Oh my god. Soleil Queen. Pas de parole. Je couperai. J'ai l'impression d'être poursuivi par deux dingos. Bonne fin de soirée, merci. Non, tes yeux! 15h46. Bah non, bon, essaye 16h89. Votre appel a été pris en compte. Nous faisons notre maximum. C'est mon dingue! Ah, mais on est débile! Quoi? 95 46. Non, plutôt pas. Allez, crade! Bonsoir! Ta gueule, Karine! C'est où? Voiture! Voiture! Ah, mais vous avez trouvé. Bonsoir!
C'est ta santé qui se manque. Je n'ose pas, je l'ai piqué à quelqu'un. Oh, anywhere, everywhere, baby, it's your world, ain't it? Baby, it's your world. My best friend is a dyke. They fucked around a few times. Her and her mama alike. So all they do is fight. Qui a coupé la musique? Qui a dit ça? Bah, le DJ. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tu mano. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, ni te me pregunto si tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Me la voy a llevar a todas. Mais Noémie, tu slay. Noémie, t'es incroyable. Oh my gosh! Mais depuis quand tu sais danser? Là, on doit prendre un Uber. Trop bon. Je suis pas dans le mood, mais j'ai piqué des bonbons. T'as piqué des bonbons? Ouais, bah j'ai pris un carré. Oh, j'ai un paquet dans mon sac. Non, on l'ouvre dans le Uber. Bonjour. Aujourd'hui, il y a Hector qui va débarquer chez WAM. Je sais pas trop quand. Pour qu'on travaille sur notre projet. Ouais, je suis désolé. Depuis qu'on a la télé devant le lit, c'est devenu très mauvaise habitude. Mais de rester en fait dans le lit hyper longtemps. Salut. Ouais. On a fait nos working days, mais maintenant c'est fini. Faut savoir prendre des pauses, les girls. Et notre projet, vous allez trop kiffer. Vous allez le voir sortir genre dans 2 ans. J'étais sûre, j'avoue que quand j'allais arriver, après avoir pas vu toutes les épreuves, j'allais dans tes cassettes. Elle a été appelée plus tard, la reine. Non, vraiment un blog. Ah, ce sera la miniature. Ah non, merde, t'as pas les chewing-gum, pardon. J'étais trop belle, j'avais les bijoux et tout. Ça m'allait trop bien, mais je l'ai encore la robe, donc elle me l'a offert, ça l'a rendu. Voilà. Waka, il me semble que c'est pas rien. Genre, j'arrive, c'est tout le monde. Prends-toi ça. Vraiment que ça veut dire. Ah, 6 minutes. Il est zinzin, j'adore. Ah non, je pars avec toi. Thank you.
sure. Guys, a gay was born. Oh, happy pride, everyone. Yeah. Hello, so how are you? Dolce Vita, here we go. It wasn't necessary. Yeah, je pense que c'est un peu inutile. You're gonna be able to cut this in the montage. If you want big boobs. Là, en fait, je vais regarder Grey's Anatomy avec mon homme. Et demain, vous allez retrouver un personnage de la Dolce Vita que vous adorez. Vous n'êtes pas prêts. Stay tuned. Bah alors, c'est la gueule de bois. Non, ça va en vrai. Bonjour. Gueule de bois ou pas? Je te raconte direct ce qui s'est passé parce que... Oh my god, gossips. Là, on va aller manger et après, on va aller foutinesse dans le train. Court mais intense. Court mais intense, j'ai pas de... Le gros sandwich au thon. J'ai cru que t'allais vlogger. Faudrait que je le remette parce que je l'ai quand même pris dans une déco du magasin. Fais voir, moi je vous vois le ticket max. Elle est là, le personnage de la Dolce Vita. Alors je veux pas dire, mais ici des goûts de merde quand même. Genre déjà Schweppes, que sans sucre, pourquoi faire. Je vois du Schwesti, je me dis trop bien, mais non, c'est au citron vert dégueulasse. Du quoi? Du Schwesti. Bisous Inès. Bisous Inès. Allez, on va manger. Pause gourmande. J'hésite à prendre les frites au cheddar. Nouvelle cape de douche. Shopping. Casual. Casual. J'aime beaucoup. Avec comment on est en train de choisir nos boules de bain parce qu'on sait qu'on... Ah oh oui, on prend le petit canard. Ok, vas-y. Parce qu'on va, on va prendre un... J'ai peur qu'il passe pas des trucs de fou. On va prendre un bain ce soir. Hi. Il peut encore un peu grandir. Regardez la beauté de cette gourde. Putain, je suis à ça de l'acheter, mais elle coûte combien? Je vais faire couler l'eau. Est-ce qu'avec quand on va prendre un bain? Mais de l'eau chaude, hein. Non. Je me suis dit là, ça pourrait être agréable au mois de novembre de prendre un bain d'eau froide. Mais qui te dit que j'ai de l'eau chaude? T'as de l'eau chaude? Avec la guerre en Ukraine. Alive. Nice to meet. Salut la commune. Manger de... Là, on va manger dans notre restaurant préféré à Lille. Le Shibo. Le Shiba. Non, mais ils nous font patienter. Enfin, je comprends pas, notre manager, il était censé nous réserver une table. On c'est la première fois que j'attends plus de 2 minutes. On attend sur un carton dans l'entrée, genre. J'adore. Ok, ça me fait plaisir. Printemps saumon. J'adore salade au tartare aux œufs de saumon. Ah, j'aime. Wow. Non, je vais te avec mes doigts. Il y a une embrouille derrière nous. On a bien mangé. Là maintenant, on va aller faire la fête dans une ancienne usine. Une ancienne gare. Une ancienne gare. Et j'aimerais bien vous montrer nos outfits, mais j'ai rien sur, mes, sur quoi mettre mon téléphone. Oh, wouh. Il y a de la queue. Non, c'est fermé là. Ça. Pourquoi c'est fermé? Attends, non, ça c'est pas le bon portail. C'est... Mais mec, ils ont allumé les lumières. C'est j'ai beaucoup de sushis dans le corps là. Je fais un travelling. Ah bah santé. Chilil. Chilil. Mais quand on est en PLS, on a vraiment le ventre qui ballonne. On a mangé trop de sushis. Ah, du coup, on va aller danser comme des tatis derrière la foule. C'est dur de remonter la braguette. How do you feel? Bad. Why? Là, j'ai trop ballonné. Bon là, je vais éternuer. Attends. Là, on va au slalom. Qui est une autre... Enfin, là, on était dans un bar dansant.
Maintenant, on va dans une boîte. Là, c'était de la dub et là, on va faire de la tech. Voilà, on est des fous, nous, on est des fous, on est des malades. C'est où les toilettes? So you know, just a casual night in Lille. Yeah. Retrouver les sushis du buffet à volonté. Ils sont dans mon nez là. Bonne soirée. Trop bonne soirée. Et une bonne matinée. Le métro de Lille est tellement bienveillant. Il est tellement cool. Super petite musique. Il y a une petite musique dans le métro. Genre, pourquoi métro de Paris, il n'y a pas une petite musique? C'est trop agréable. Oh. Il va pas tarder à faire nuit. On vient de se lever. Voilà. Le beffroi sur la grande place. La grande place. Ah, on va aller se faire un petit café du matin. Petit déj. Bonjour. Oui, le tueur en série présumé doit répondre de 7 meurtres et viols commis sur des jeunes filles en France et en Belgique entre 1987 et 2001. Ambré nous a fait un gâteau. On verra le résultat. Elle veut pas me dire à quoi c'est. Le procès, la seule chose. Va... Tu sais que ça va pas être bon de base. C'est ton pari? Non, ça se trouve, ça va être bon. Non, toi, tu penses à quoi? Ses victimes. On verra après. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que t'as improvisé. Et que du coup, tu paries que ça va être bon ou pas? Bah ouais. Ok. Ça va pas être ouf, quoi. Sur 10, note sur 10. Ah non. Je suis trop chiant. 3. Ok, moi, note sur 10, 7. Certains disent, mais comment. Le beau gâteau. On dirait vraiment un filet mignon. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Au début, j'ai cru que c'était un pré-fou aussi. Bon, avec Ambre, on a un peu beaucoup dormi. Alors, ne croyez pas qu'il fait nuit. C'est juste qu'elle est au rez-de-chaussée. Du coup, il fait très sombre. Mais. Il pleut. On s'est réveillé un peu tard. Donc, dans une heure, on prend un car pour aller à. Bruxelles, on va aller à Bruxelles. Ah, j'ai trop hâte de bouffer de la frite. Elles sont pas bonnes les frites belges. Oh, elles sont quittes à la graisse de bœuf, c'est pas bon. Tu veux que je perde tous mes abonnés belges? Tous mes abonnés belges. Alright. Tu vas toucher mon ventre? Ouais. Ah, oh, c'est vrai que t'as le ventre tout doux. T'as vu? Ouais. You belly. Bon, il y a un gros problème par contre dans cette journée. C'est qu'on n'a pas retrouvé ma casquette Beyoncé. Mais on l'a pas perdu. On l'a pas perdu, mais en même temps on l'a pas retrouvé. Ouais. Donc c'est bizarre. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des cheveux pas possibles. Regarde dans la cabine. Oh mon dieu. Oh faut non. Que j'achète une casquette à Bruxelles. Bah mouche-toi. Bah c'est fait.
En vrai, on n'est pas du tout proche. On est arrivé en Belgique. Yolo, je suis là. Bah, après, on pourrait être invité à un after. Mais c'est pour ça, mais c'est que je suis en train de me faire des films dans le car. Vas-y, let's go. Oh, on est arrivé à Bruxelles, là, putain. C'est un grand tour. Énorme, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui a toujours à faire. Michel, te rappelles-tu de la détresse de la kermesse de la gare du midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms de Dieu. Sublime décadence, la danse des penses. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Booker. Bruxelles, ils sont à la grande place. Et nous, même. Bientôt, je prends la rédérie. Ben, c'est joli. Et du coup, c'est quoi les bâtiments? Where did I go? I need a sunrise. Pourquoi je pourrais... Attends, on nous a pris en photo il y a 2 ans à Bordeaux. Attends. Oh, mais c'est trop beau, t'avais tes tresses. On est trop chaud. Oh my god. Oh my god. Mais désolé, mais en fait, hey, tu sais quoi, Zilan, va voir ma page Insta, ouais. Mon profil Insta, il y a un lien dans ma bio et c'est mon lien de ma chaîne YouTube. Et je suis. Mais oui YouTube, et je... YouTube, mais bien sûr, j'ai fait. J'ai fait. Le cœur bon, merci. Comme il y a pas de souci, on va aller prendre notre car. J'ai envie de vous abandonner. Il y a pas de problème. Hey yo. Hey yo. Oh my god. Oh my god. There's a lot to say. There's a lot to say. There's a lot. There's a lot. On a passé une super soirée. On a rencontré. Alors, je vous explique en fait, avec Ambre. On a fait un festival qui s'appelle Garo Rock. Il y a deux ans. Et en mode, en revenant de ce festival, on s'est retrouvé à attendre devant la gare de Bordeaux pendant des heures et des heures. Et on a croisé une meuf qui nous a pris en photo et tout. Et voilà la photo. Montage. Elle habitait à Bruxelles et ce soir, on s'est retrouvés tous les deux à Bruxelles. Du coup, on lui a envoyé un message, on a passé la soirée avec elle et c'était super sympa. Du mat, on est fatigué. Ambre a dormi tout le long. Moi, j'ai regardé des toc-toc. J'ai essayé de regarder avec toi les toc-toc, mais j'étais trop posée comme merde. En plus, Ambre, je sais pas si vous voyez quel genre de personne je vais parler, mais Ambre, c'est le genre de personne qui, tu vas lui dire, tu dors, elle va dire non. Tu la regardes 2 secondes après, elle est comme ça. Raymond, il a pris le Thalys. Salmon. En vrai, j'ai un peu envie d'aller me baigner. Non, je rigolais. Elle a l'air trop bonne. Arrête, ta gueule, il y a plein de merde qui pisse dedans. C'était le McDo. En vrai, elle a travaillé dans ce McDo. Il y a tous les étages et même en dessous, c'est au McDo. C'est un McDo qui fait de là à de là. C'est horrible. Et le dernier jour où elle a travaillé, elle a chialé, du coup il l'a emmené sur le toit terrasse. Voilà, trop bien. Mais par contre, il faut pas faire le ménage là-dedans, je vous jure. My love. Oh. C'était bien. C'était trop cool. On se voit. Tu viens à Paris un jour ou pas? Ouais. Bye.